Les Jeux de la francophonie canadienne, c'est plus de 1200 participants de partout au Canada. On a 13 délégations. Mais la vraie question, c'est d'où ce qu'ils viennent vraiment? Puis quand je vous dis d'où ce qu'ils viennent vraiment, c'est juste un indice pour vous dire que ce qu'on cherche, c'est des expressions et des accents particuliers. On va aller entendre ça. Là, je sais qu'il y a 1200 jeunes de partout au Canada. Vous, clairement, vous êtes du Québec. Oui. Mais là, ce matin, je suis curieux de savoir d'où vous venez exactement. Moi, je viens de Mandeville. Mandeville! Vous venez de l'île du Prince-Édouard? Oui. Puis là, j'aimerais savoir exactement où dans l'île. Moi, je viens de la région Évangeline. Ah oui, je sais, c'est où, en cause de la chanson. Évangeline. Manitoba. Manitoba? Oui, Winnipeg. Winnipeg? Moi, je viens de Calgary, dans le sud. Oui, puis toi? Iqaluit, en Nunavut. C'est vrai? Mais j'aimerais savoir, vous venez d'où exactement, en Terre-Neuve-Labrador? Ben, on a... Je pense que les filles viennent toutes Saint-Jean. Vous venez toutes? Saint-Jean et CBS. Toute la gang? Oui. Tu as des trucs que ta mère peut dire ou ton père? Ouais. Ben peut-être, là, j'ai dit un mot cette semaine, puis c'est comme cacaille. Cacaille? Oui. Quand quelqu'un a l'air cacaille, là. Ah oui, cacaille. C'est comme, mettons, que je sers la table, puis que je mets le pain dans le frigo, mais la maman va dire, t'es bien cacaille. Chocafar ou chicain ou... Chicain? Oui, comme quelqu'un. Oui. C'est chicain. Il y a beaucoup de 7-Eleven à Winnipeg, alors une bonne expression, ça serait, veux-tu aller à Sèvres? Veux-tu aller à Sèvres? On s'en va à Sèvres pour un Slurpee. Yeah. Pour un quoi? Un Slurpee. Un Slurpee? Oui, ça, c'est quoi un Slurpee? Okay, c'est comme un slushy, mais c'est juste un nom spécial pour le slushy. Comment? What do you have? C'est un anglais, mais. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme. Qu'est-ce que tu fais? Comme, c'est comme une expression, comme tu dis bonjour. Comme une joke, une tuk-tuk. C'est comme. Tu dis, you wanna fight? Puis après ça, tu dis, I'll drop you like a tuk-tuk. Un tuk-tuk, c'est un ours polaire. OK, c'est bon. Puis si tu... Ouais. Ça, c'est bon. I'll drop you like a tuk-tuk. What are you up? What are you at? What are you at? Boss. Boss? Nous, aujourd'hui, c'est dans l'environ du midi. On va contre le Québec, alors bonne chance pour nous. C'est bon. Mais tu vois, comme ça, dans l'environ du midi, ça, j'ai jamais entendu ça, là. Boss. What are you at, boss? Oui. What are you at, boss? What are you at, boss? What are you at, boss? Oui. J'adore ça. What are you at, boss? T'as des belles hardes, what are you at, boss?